Salut à tous! Comment ça va? Oh putain, c'est un peu fort pour moi. Ouh, salut, salut! Salut Axino, salut Sibam, salut Draken, Tessera, Monkey, Yurok, Snow. Salut à tous, quoi. Et bienvenue sur mon live, à tous ceux qui rejoignent. Alors ce soir, j'ai prévu de faire. De jouer à. Isaac, The Binding of Isaac, pour ceux qui préfèrent que je parle, que je parle anglais, hein. Bon, je sais pas comment on le dit, mais c'est pas grave. Moi je dis toujours Binding of Isaac, mais vous faites chier, hein. Salut GG, comment tu vas? Voilà, donc du coup je vais faire un peu de ça, j'aime beaucoup ce jeu. Et je me disais, ça fait du bien un peu de faire des jeux indés. C'est pas un peu fort le micro pour vous là? Je sais pas, salut Heavy. Et GG, je t'ai déjà dit. Binding. The Binding of Isaac, version Rebirth. Salut Bardock. Eh bien, c'est parti. Nous allons casser le game. Salut Anéa. Ça va tranquille, oui. Bah écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis dans un bon mood. Je sais pas, j'avais hâte de live. Attendez, ma cam est bizarre là. La dernière fois, je l'ai touché pour faire des modifications. Oh, j'ai une idée, mais les gars, mais vous n'êtes pas prêts. Je vais faire un fond, parce que là, vous voyez, c'est dégueu, c'est pas, y a pas de fond et tout. Je vais faire un fond, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. J'ai réfléchi. Maintenant, il faut que je sache comment le mettre en place. Et merci à tous ceux qui follow. Hein. Et franchement, ça va être vraiment stylé. J'espère que je peux techniquement le faire. Mais ça va être très cool. Salut Snake. Vertigo, je sais plus si je te l'ai dit. Mais salut si j'ai oublié. Et Nelifa. Comme je fais une mission de nuit, je bosse pas ce soir. Ah, c'est cool. C'est cool. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait la scène spécialement là pour ce jeu. Mais je l'ai fait il y a 5 minutes. Donc, je sais pas si ça passe. Salut Ardem. Donc franchement, ouais, il va être vraiment ouf mon fond si c'est possible de le faire. Hop. Je sais vraiment pas où le caler mon image. Vous voyez bien, le son est pas trop fort, non, c'est bon. Salut Chubby, comment tu vas? Je vais faire un new run, hein. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Après, j'avais débloqué plein de personnages, mais j'aime bien prendre Isaac. Parce qu'en fait, selon tes personnages, t'as des caractéristiques différentes. Bon, vous voyez, j'en ai pas mal. Je l'ai bien tryhard. Mais on va partir sur le simple. Hein. Change de titre Hearthstone. Ah oui, c'est vrai. Bah écoutez, je le ferai après. Alors comment on joue déjà? Ok. C'est parti. Salut Balo. Alors le shooting. C'est un shooting que j'ai fait à l'arrache chez moi. Je suis assez satisfaite. C'est des photos en fait pour présenter mon setup. Un peu mon matos et tout. Vous voyez la photo que j'ai mise sur Twitter ce soir? C'est un peu dans ce style-là, mais avec un. Pardon, il y a ma souris. Mais avec un appareil photo. Salut Zekila! Comment tu vas? Avec un appareil photo, parce que l'autre, je l'ai pris avec mon téléphone à l'arrache. Je me suis dit, tiens, si je faisais un shooting. La souris, c'est chez vous? Salut Zekila! Ah, pardon. Bah oui, ça va très bien. Alors, c'est quoi ce pouvoir? Ah d'accord, j'ai un œil derrière ma tête. Ah ouais, ok, pourquoi pas. Ouais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. J'aime beaucoup ce jeu. On m'a complètement sauvée, je suis en PLS. Je suis désolée Yoshi, salut, comment tu vas? Je suis désolée. Franchement, désolée si je rate des gens. Hein. C'est vraiment dur d'avoir tout le monde. D'avoir tout le monde et de rater aucun message. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent jouer à ce jeu sur la manette. Ah, je sais plus ça. Je crois que c'est pas ouf du tout ce truc. Parce que dans ce jeu, il y a des... Alors, il y a... Merde. Ah ouais, c'est vraiment de la merde en fait. Ça me fait perdre des cœurs cette merde. Comment je l'enlève? Je peux plus l'enlever. Ah, c'est con. Au calme, on a l'habitude. Je suis désolée. Je répète ce que j'ai mis. Salut Elsa, comment tu vas?
Sinon, j'adore la dernière photo, t'as des yeux de ouf. Alors pour les yeux, en fait, j'ai un peu rééclairci parce que ils étaient giga sombres et je trouvais ça trop dommage. Donc du coup, je voulais un peu éclaircir. Donc bah merci, hein. Après voilà, c'est pas du 100% naturel, tu vois. C'était pas ouf. Avec les... Ah merde, putain. Ah, j'ai vraiment crevé première vague là. Tricheuse. Bah écoute, moi j'ai le sens de l'esthétique dans la photo. Et en général, je retouche surtout les couleurs et le filtre. Enfin, en fait, je me crée un filtre un peu estompé. Je sais pas si vous voyez, un peu, sont assez claires mes photos. Parce que je mets toujours un truc qui estompe pour uniformiser. J'aime beaucoup ça. Maintenant, en général, je fais pas plus. Sauf s'il y a vraiment quelque chose qui me gêne. Et là, je trouvais ça dommage. Ça a totalement changé l'esthétique de la photo, les yeux. Voilà. Un peu pastel, ouais, t'as raison. Je vais mourir, les gars. Je suis vraiment nulle. Mais il est pourri, ce truc qui me fait mal, là. Isaac, salut Clem. Oui, j'adore ce jeu, même si bah, apparemment j'ai perdu vachement de skill. Allez, donne-moi un truc. Il y a une différence entre mettre en valeur des détails sur une photo et retoucher complètement. C'est ça. C'est ce que je me tue à dire aux gens, c'est que vous savez que même à l'époque, les photos noir et blanc, sur papier et tout, c'était retouché. Ça peut même être plus retouché que des photos d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a toujours été retouché. Vous voyez les photos parfaites des photographes, vous vous dites tout le temps, pourquoi moi ça rend pas comme ça? Tout est en post-production, c'est super important la retouche. Moi j'ai toujours dit une photo pas finie. Enfin, une photo pas retouchée, c'est une photo pas finie. T'as forcément des couleurs et tout ça à améliorer. C'est toujours comme ça. Pour moi, la retouche, c'est modifier forme et effet. Eh ben non, la retouche, c'est tout ce qu'il y a. C'est tu changes un peu la saturation pour que ce soit plus coloré, c'est de la retouche. C'est comme ça. Et moi, je peux pas m'en empêcher. Je suis photographe, hein. J'ai toujours eu ce côté. Les couleurs, il faut qu'elles soient parfaites. Et la lumière, faut qu'elle soit parfaite. J'ai un problème de parfait, moi. Je suis assez perfectionniste. Et je vous assure, je fais 150 photos. Si l'éclairage, il n'est pas exactement comme je veux, mais je la supprime tout de suite, quoi. Des fois, on me dit, mais elle est très bien, cette photo, pourquoi tu la mets pas? Non, 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 non. Non, non, il y a une ombre, là. Ah, je suis perfectionniste de ouf dans mes photos, c'est... Après, je suis d'accord, des fois, j'en poste, elles sont pas parfaites. Hein. En fait, je dis pas que mon travail est parfait, c'est attention. Hein. C'est juste qu'il faut qu'elles soient exactement comme ce que je veux dans ma tête. Des fois, j'en poste qui sont pas exactement, et après, je les regrette et je les supprime. Viens prendre ma pépé, j'ai pas changé depuis 2015. Mais ouais, avec plaisir. Écoutez, mon père est photographe et a le même discours que toi. Et ben voilà. Et c'est marrant parce que si c'est ton père, en général, cette génération-là, ils sont plus ouais, mais moi, je suis dans l'instant, je retouche pas, nanana. Donc c'est beau. Ok, on va peut-être... Là. Oh putain! Merde. Là, je vais le faire exploser. Comment on fait exploser déjà? Oh putain. Ouais, bah voilà, nice! Je vais faire péter ça aussi. Non, c'est vraiment très important. C'est combien le shooting? Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas de tarif, je suis plus pro, j'ai mon diplôme, mais voilà, j'en fais pas ma vie, donc... Oh, j'ai eu peur, je croyais que je pouvais pas le prendre, mon cœur. Oh, j'ai trop de chance. C'est à cause de mon collier, là? Trop bien, la remontada. Organisation de shooting pour les abonnés. Elle a zappé une pièce et un rocher marqué, je suis triggered. Ah ouais, je sais, les pièces spéciales, je les fais pas tout le temps. Parce que clairement, je suis une grosse flemmarde. Et les cailloux marqués, c'est vraiment que si je suis dans la merde, sinon je le fais pas, j'économise mes bombes. Genre, ça se trouve, ça peut me donner de la merde, alors vraiment, j'attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est nul ça. C'est nul à chier. Ça a un effet actif. Allez, ça c'est bien. Mais tears up. Je ferais plus mal normalement. Ah, c'est pas mal, hein?
Donc voilà, oui, il y a retouche et retouche après. Il y a modifier les traits et il y a modifier l'ensemble, l'harmoniser et tout ça. Salut Tiger, je sais plus si je t'ai dit bonjour et AirTax aussi. Pas toi aussi la cigarette électronique, mais moi ça fait des années malheureusement. Salut Antaléen! Quand elle poste une qui n'est pas exactement parfaite, elle a une larme au coin de l'œil quand elle appuie sur publier. Exactement. Non, mais après, je suis assez dure avec mon propre jugement, c'est-à-dire que mes photos, je trouve. Souvent, je trouve nul mon travail en fait. C'est dommage parce que du coup, je m'appuie sur ce que pensent les gens. Je demande tout le temps un avis, au moins un avis, avant de publier quoi que ce soit parce que moi, sinon, je publierai rien en fait. Alors attendez, je vais regarder la map. Je peux pas la déplacer là maintenant. Ok, bon bah. Je vais rester comme ça. Je vais pas aller prendre les cœurs. Et ton gameplay, tu le trouves comment? Ah, dégueulasse! Oh merde! Ah non, ça va, j'ai pas perdu de. Putain, mais je fais super mal avec mes larmes là. Non, après, sur Isaac, ça va, hein. Je suis pas mauvaise sur Isaac. Je l'ai tellement tryhard ce jeu que bon. À force. Bien le bonjour du Québec, salut Pitman! Eh bien, ravi! Oh! Regardez la richesse! Ravi d'avoir des Québécois! Enchanté! Et salut à Madoubari! Salut à toi! Ça va, tu joues pas aux jeux les plus simples, c'est pas Fortnite. Je pense, moi personnellement, je pense que Fortnite aujourd'hui c'est difficile! Avec tous les tryharders qu'il y a. Oh! Je les aime pas eux! Ils sont trop rapides! J'arrive jamais contre eux. Putain. Moi, je pense que je me ferais éclater la gueule hein, sur Fortnite. Surtout que je sais absolument pas build des murs ni quoi que ce soit. J'ai rien gagné! L'arnaque! Vous y avez joué à Binding of Isaac ou pas? Moi, j'adore ce jeu, vraiment. C'est addictif en fait. Tu commences une partie, t'as des sorts qui te plaisent pas, t'as envie d'en avoir des meilleurs et tu t'arrêtes jamais en fait. Ah, je vous jure, j'ai passé des heures. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on n'a pas de clé surtout, c'est ça le problème. Mais non. Ok, il va falloir trouver la salle secrète là. J'avais pas vu que j'avais pas de clé, j'aurais dû chercher les salles secrètes du coup. Oh, ça a bugué. What? Ah! Oh putain! J'ai jamais vu Isaac bugger. RIP, ouais. 500 heures de sud, tout le monde! Ah non, hello tout le monde! Salut Karta, comment tu vas? Ah mais donnez-moi une clé, putain! Oh non, j'aime pas cette salle. Oh my god. Ah, il est trop. Mais vas-y, je fonce dedans! Putain, je fonce dedans. La salle secrète, elle est pas là, ça c'est clair. Oh, une clé! Oh, j'y vais direct. Salut, Moonscarf. Alors ça, ce truc vert, c'est... Ça peut grave te niquer et en même temps, ça peut grave te sauver. Je sais pas si je le prends, ouais. C'est le jeu dont il faut pas expliquer le concept, je suis des caca avec mes larmes, c'est clair. Je vais le prendre quand même, pour le fun. Mais en gros, je vous explique, des fois il part et il explose. Ah oui, il peut pas exploser s'il y a personne. Mais ça peut faire trop mal quand tes ennemis sont trop proches de toi en fait. Pire objet. Ouais, il est chaud à jouer celui-là. Hein. J'aime pas trop. Pas trop trop. Mais merde, ça m'a déjà sauvé la vie, alors du coup, ben, je me dis, je prends. Tentons l'expérience. Oh putain. Mais ouais, c'est stressant de jouer avec. Oh! C'est quoi cette salle? Ah oui, c'est vrai, c'est le nouveau Isaac. Enfin, c'est le After Rebirth. Forcément. Putain! Il y a plein de nouvelles bestioles. Ah, oh, mais fais chier! Oh, il en reste un an.
Oui. Lesquels j'ai eu un cœur. Salut Ethernet. C'est marrant comme pseudo ça. Putain, mais. Oh non, je saute dedans. Oh, c'est pas possible. J'ai failli me faire exploser la tronche. Trop dangereux cet objet. Putain, j'ai un cœur. Je vais aller dans les autres salles que j'ai pas explorées. Ethernet, ouais, c'est marrant. Désolée, hein, si je vois pas tous vos messages, vous pouvez un peu plus spammer que quand je suis sur Hearthstone, hein. C'est plus compliqué là de voir vos messages. Putain, c'est horrible cette salle-là. Oh putain, j'ai failli me la prendre, l'alarme. La boule de feu. La salle super secrète pourrait être là. Mais elle pourrait être ailleurs, donc je vais explorer avant. Parce qu'en fait, il y a la salle secrète et la salle super secrète. Après, je pourrais peut-être aller là chercher des cœurs. Ah non, mais j'ai pas de clé, c'est vrai. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, elle peut être ici aussi, la salle secrète. Oh, je miserais bien sur ici, moi. Je le sens bien. Pas du tout. Super, j'ai perdu une bombe, les gars. Salut, Argaël. Argaël, oui, c'est ça. Bonjour à tous, sauf à moi. Bon, ok, bah, je tente ici alors. De toute façon, il me la faut, là. Putain! Super! Mais elle est où alors? Elle peut être ici. Non, elle peut pas être là. Où est-ce que j'ai pas regardé? Ah, là. Mais what? Les gars, comment c'est possible? Salut Kevin le poney. Mais elle est où? Elle est là? Franchement, si elle est là, c'est dégueulasse. Je les ai toutes faites sauf ici, quoi. Mais je comprends pas. C'est pas possible. En vrai, ça s'écrit Argaël. C'est ton vrai prénom? Comment on utilise déjà les... Oh non! Super! En fait, j'essaye mes pilules quand j'ai plus beaucoup de vie. Parce qu'en fait, tu sais jamais ce que c'est. T'as du mal à placer une bombe. T'as du mal à placer une bombe. Ouais, c'est possible, mais... C'est possible, mais du coup... Oh, c'est trop pratique, là! Bah voilà, typiquement. Comment s'exploser la tronche? Putain, non, j'avais des bons items! Swing Cheers. Ouais, ok. Ah, RIP! Elle est trop bien, ta tenue. Merci, Lenny. Merci, Lenny, tout court, hein. Ah, oh, chier, j'étais pas mal. J'ai pas eu de chance avec la salle super secrète, c'est tout. Et j'ai pris le truc ayant à Wizard. Salut Blucky, comment tu vas? Ah, je les aime pas eux, ils sont horribles, ils sont trop moches. Bon, en même temps, qui est beau dans ce jeu, honnêtement? Ils sont tous horribles. Y'a que... Si, y'a que Isaac qui est trop mignon. Mais oh! Une fourchette. Chance for healing. Alpha clearing. Ah, c'est cool ça! Ouais, je parle bien anglais, hein, les gars. Ah. Je sais. Je sais que vous êtes impressionnés par ma bilinguité. Pas besoin de... Sérieux, je dois vraiment aller là? Oh, trop relou. Ah, par contre, c'est cool, ça déverrouille ça. À moins que c'était pas verrouillé. On a combien de bombes? Une bombe, une pièce. On a même pas de clé.
Le début se dit arg et c'est la fin comme légume l'ail, donc argail. Ah, ok. Salut Aubin, comment tu vas? C'est quoi ton pantalon sur la photo? Alors, mon pantalon. J'en suis super fière, c'est mon pantalon préféré. Alors bon, c'est un. En fait, c'est une sorte de. Je peux pas vous le montrer complet, mais on dirait une sorte de pantalon de travail. Et genre avec des coutures de différentes couleurs. Et je le trouve beaucoup trop stylé en fait. Je sais plus où est-ce que j'ai acheté ça. J'aurais dû me l'acheter en deux exemplaires si jamais. C'est genre une taille au-dessus si jamais un jour je prends un peu de poids. Comme ça, je l'aurais à vie. Faut trop que je fasse ça quand j'aime vraiment des fringues. Salut Parcival! Parcival TV, salut à toi! Oh non, pas lui, pas Monsieur Mouche. Je l'aime pas. Bon, il est pas compliqué, hein, mais il est juste chiant. 100 ans pour le tuer. Salut et bonne nouvelle chaise à toi. Bah merci, Pouic Pouic. Merci beaucoup. C'est vrai que franchement, le niveau de confort est incomparable. En même temps, c'est logique. Je passe d'une chaise pire que les chaises de l'école, tu sais, à une putain de chaise trop bien. Oui, HP up, c'est trop cool, on gagne un cœur. Si toi aussi t'achètes les fringues en 3 exemplaires. Mais arrête, c'est pas une trop bonne idée. C'est pas grave, tu grossis, hop, tu rentres quand même dans ton pantalon. C'est bizarre comme prénom, je sais. Je suis le seul sur Terre à m'appeler comme ça. Je sais pas, peut-être, il y a plein de noms qui sont hors du commun, hein. J'ai un pote qui connaît des gens. Ah merde. Qui ont des enfants qui s'appellent. Comment elle s'appelle? Clitorine. Quand même, tu vois. Donc Argaï, ça va. Oui, les prénoms bretons aussi, c'est original. Disons. Ah non, mais je te jure. C'est juste impressionnant en fait. Surtout que le prénom passe, quoi, c'est ça. Ouais. Tu vis en appart ou en maison? Je vis en appart. Mais au rez-de-chaussée, donc du coup, j'ai un jardin. Ça, c'est cool. À part que je voulais m'acheter une piscine cet été. J'ai tellement mis de temps à me décider. Au final, bah, c'est la fin de l'été et du coup, je me dis, bah, ça sert plus à rien de m'acheter une piscine vu que c'est la fin de l'été. Donc voilà. Donc j'ai pas eu ma piscine cet été. Je l'aurai l'été prochain. Mais c'est trop con quand même. J'ai mis tellement de temps. Je me disais, ah ouais, mais est-ce que 60 cm c'est bien? Est-ce que 70 c'est mieux? Est-ce que si je cherche 1 mètre c'est mieux? Et au final, bah voilà quoi. Au final, j'ai rien pris du tout. Je vais récupérer la. Ah, une bombe contre une clé, je sais pas en fait. Si, je vais la récupérer parce que là j'y vais. Ah, oh, c'est nul! Oh non, c'est nul à chier! Pitié, change tout de suite! Mais vas-y, allez vous faire foutre. Ok, faut que je trouve une pièce là. Bonsoir, comment vas-tu? Salut le chat, salut Carvou! Bah écoute, moi ça va très bien. Je déteste les pouvoirs comme ça. Bon, il y en a des très bien, mais lui, il est nul, hein. Putain, elle était trop bien ma partie d'avant, j'avais un super stuff. Ah là là. Bon bah, je vais le prendre, hein. Ou alors je fais péter ça. Oh, je sais pas, non. Donc du coup, ça fait. Ah, super! Non mais sérieux! Mais regardez-moi cette daube! Cette arnaque! Le jeu qui troll, là, hein, mais c'est. C'est dégueulasse! Qu'est-ce que je vais faire d'une putain de TNT, quoi? Ah, ça peut être pratique pour péter les murs et pas utiliser de bombe, peut-être. C'est pas mal, ça, pour le coup. Tiens, bah si, vu que j'ai chopé. Mais oui, en fait, c'est super bien! Mais que dis-je? J'ai chopé une pièce juste au-dessus. Si je fais ça, et que je fais ça. Mais c'est génial en fait! Ah. Que suis-je? Oh putain, je vais me faire mal. J'ai peur. Je retente.
Ah, par contre, j'ai plus de pièces pour le réactiver. C'est dommage, ça. Salut Octas, comment tu vas? Oh non, c'est une double salle. Ah, c'est cool, ça, non? Non, c'est pas ça. J'aime bien le double salle où t'as double sort et double boss. Je sais pas si vous connaissez. Bon, ils sont pas très forts, hein. Je dis ça, je me suis fait défoncer tout à l'heure. Non, ça me gratte! Non! Encore une autre clé, oublie pas. Oui, là, je vais y aller avant de revenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Range up. Ok, cool. Là, là, là. Je vais aller la chercher, du coup. Pourquoi tu as... Tu t'es pas acheté trois chaises au cas où tu grossis? Bah parce que celle-là, elle supporte, elle peut supporter beaucoup de poids en plus. Hey. Salut, Osterheart, what's up? Bah écoute, ça va super bien. Et toi, what's up? Smart. Ah oui, bah c'est vrai que j'ai déjà battu le boss. Ah! Salut, Eltix. Bah au moins hein, une demi-tonne, je pense que ça peut supporter. Ça peut largement supporter au-delà de 100 kilos, hein, une chaise comme ça, je pense. Donc je suis large encore. Eh oui, les mécaniques. Ça va, j'ai eu une range up. Ils sont nuls, eux. Bon, si je savais viser aussi, ce serait pas mal. Oh merde, je regardais pas. Je regardais le chat. Bon, en même temps, j'avais la range pour pas me faire mal, donc c'est un peu débile. Oh mais oh, je vais pas mourir là-dessus. Il est increvable le truc. Ah ça va. J'ai un demi-cœur, mais comment je vais m'en sortir? Attendez, il n'y avait pas un cœur là dans les rochers, il y avait quoi? Non, il y avait de la merde. Cette excuse de nous? Non mais je suis morte parce que je regardais le chat. Mais je suis pas morte! Non mais c'est vrai en plus, vous voyez ma tête bouger, donc vous savez si je mens ou pas. Oh, je regardais le chat! Putain, j'ai devenu nulle même à ce jeu! Mais non, mais me dis... Mais c'est pas possible! Ah, ça j'adore! Ça, on dirait pas comme ça. C'est trop fort. Ah oh, merde. C'est trop trop fort, c'est un de mes trucs préférés dans le jeu. Oui, c'est trop bien. Je suis trop contente. Le meilleur sort. Ah bah après, il faut qu'il soit cumulé avec des trucs bien aussi, hein. Y a pas besoin de savoir viser avec ça. Trop bien. Merde, ça passe pas. Tu as Miss Létale, non? Même dans ce jeu, je serais capable de Miss Létale. Je vous jure. Non! Bon, c'est un peu chiant quand t'as trois petites crottes, hein, par contre, ce pouvoir. Tu regardes des animés, Lee? Oui, bien sûr. J'adore ça. Par contre, je lis pas de manga. Je vous avouerai. Ça m'empêche pas d'adorer les animés. Attendez, mais pourquoi je vois pas ma vie? C'est cri. Je vais la péter, hein, ça vaut trop le coup. Oh,
Oh, je viens de faire un tour de les isekai, c'est tellement bien comme genre. Un tour de tous les isekai. C'est quoi un isekai? Je suis pas. Ah merde. Ouais, j'ai pas d'autres clés. Attendez, mais j'ai tous mes cœurs là? Ah ouais. Ah, c'est une bonne nouvelle ça par contre. Je connais pas bien les genres et tout, hein. Je suis pas à fond non plus. Juste, je regarde et j'aime bien. Je me renseigne pas sur comment on appelle tout et tout. Je suis d'accord, c'est un peu bizarre, mais bon. Salut NZ. Assi, je sais pas comment dire. Oh, elles sont rapides, elles! Oh merde! Tant que je fasse mon pouvoir là. Oh, plus si je les rate. Mais non, mais c'est passé entre les deux. Ah, je me fais RNG même dans le jeu. Incroyable. Ok, j'avais juste besoin de bombes, mais c'est pas grave. C'est un vieux jeu, de quoi, Isaac? Isaac, ouais. Mais après, ça fait longtemps que... J'y avais pas touché, juste j'y avais tryhard pendant super longtemps, j'avais adoré. Donc là je me dis vas-y je relance. Salut Shin Master. La salle elle pourrait potentiellement être là. Ah mais putain j'ai pas de bombe. Ah oh, c'est con. Ah je suis trop contente d'avoir eu mon sort préféré. Ah merde, j'ai pas mis les alertes, je suis désolée. Merci Club Michel. Attends, je remets tout de suite les alertes et je te mets ton. Je vais refaire l'effet. J'ai vu. J'ai trouvé comment on met les effets si je les ai manqués. C'est vrai, j'ai pas mis l'alert box sur cette scène. Je l'ai créé tout à l'heure à l'arrache. Hop là, je m'en occupe tout de suite. Alors, ajouter. Alert box, ce serait pas mal quand même. Je m'en rends compte que maintenant, moi. Hop. Et voilà, c'est bon. Streamlab. Streamlab, j'ai pas lancé, évidemment. Putain, mais je suis vraiment une mauvaise élève, moi. Suis la pire. La grosse déception, aucune animation. Mais si, je te la mets tout de suite. Je te la mets tout de suite. Bah, je te trouve pas. Comment ça? Bah alors? C'est pas possible. C'est trop bizarre. Ah si, ça y est, je l'ai. Oui, merci Club Michel. Tu vois, je te l'ai remis. Hey. Merci d'avoir rejoint la Ligue Army. Tu visais pas 100 subs à la base en 2 semaines? Si, j'ai 236 subs, un truc comme ça, c'est ouf, merci à tous, hein. Je saurais pas quoi vous dire. Enfin, c'est vraiment, mais je m'attendais pas du tout à ça, les gars. Vous êtes des oufs. Hop là! Bon allez, hop. 238! Oh, j'étais pas loin! Franchement, merci à tous. Voilà. C'est impressionnant, quoi. Je pensais pas que c'était possible, en fait, en 2 semaines, pour une personne comme moi, entre guillemets. Genre quelqu'un de connu et tout, y a pas de souci. Moi, je ne suis qu'une petite. Putain, j'ai toujours pas de bombe, les gars. Tu vas jouer à Dofus Retro, non? Il y a moyen. Après, le streamer, je sais pas. Je sais pas si je compte en streamer. Ouh, c'est pas passé loin. Allez, donnez-moi un sort cool. Non, pas ça! J'aime pas les trucs comme ça. Je sais même pas ce qu'il fait celui-là. Il le disait, mais j'ai la flemme de lire.
Salut Gaïa, plaisir de te revoir en stream. Salut Goldix Game. Merci. La ligue, ce jeu de mots de qualité. Bah merci. Ah, je sais, ça a été réfléchi pendant des jours et des jours. Ah, pas du tout. Alors, j'ai une bonne gueule là. Mon Isaac, il est pas mal. Comment je peux rater un mec pareil? Genre, il était devant moi, je l'ai raté. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai balancé, par exemple. Bah, vas-y. C'est grave, hein? Il me reste une clé, j'ai pas, absolument pas ouvert cette porte. Ah, putain. C'est vraiment des connards, ils me mettent la clé d'un côté, le coffre de l'autre. Bah tant pis, franchement je prends pas, je préfère garder mes cœurs. Livrer jouer à Zazel, ah j'adore. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, je m'attendais pas. Oh merde, ça va être trop dur avec mon sort. Ça sert à quoi ma télécommande du coup? Qu'est-ce que c'est? Familiar, get closer together. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Plus un cœur noir. Quand j'ai moins d'un demi-cœur. Un cœur et demi, ça fait des dommages à tout le monde, c'est pas mal. Alors, Léviathan. Wow, c'est très bien, on va prendre ça. J'ai eu la flemme de tout lire, mais... Oh, je suis trop stylée! Bon, j'ai un cœur. Oh putain, j'ai un cœur, les gars. Mais je suis complètement tarée, en fait. Tu joues pas un peu YOLO, ça fait quoi, mon pouvoir? Bah, c'est marrant, non? Oh, vous êtes tous à vouloir tryharder tout le temps. C'est bien de pas tryharder. Oh! Et me mettez pas ça comme ça, là! Me mettez pas une salle comme ça, j'ai deux cœurs. Un cœur. Par contre, ça a l'air fort cette merde. Hein. Je l'avais jamais eu celui-là. Oui, une clé. Je vais peut-être pas aller me battre du coup. Hein. Putain, j'ai tout évité. C'était ouf. Est-ce que ça y va jusqu'à lui? Ah, ça allait jusqu'à lui quand même. Oh, comment je me gave. C'est mon jour de chance. Ça me fait sourire perso, je viens ici pour la bonne humeur et l'ambiance, je m'en fous de tryhard. Exactement, Bordak. Moi aussi. En vrai, je tryhard chez moi quand je stream pas. Mais sinon, après le reste... C'est assez... Enfin, je suis plus là en stream pour tryhard. Avant, j'étais trop là-dedans et ça m'a pas fait du bien en fait. Genre, tu pètes un plomb des fois. Hein. Alors que là, je viens, je suis contente, je profite. Salut Azur, comment tu vas? Je me fais plaisir, je vous fais plaisir. Donc... Oh, sa mère. Oh putain. Mais c'est horrible ce truc! Jamais je survis, hein. Là, faut qu'ils me mettent de la vie, c'est pas possible. Ce serait trop dommage de perdre parce qu'il est trop bien, ce perso. Je viens pour le tryhard, moi. Choqué, déçu. Oh! Bande de méchants. T'as toujours pas de bombe? Ça me stresse comme pas possible. Putain. Ils sont bien mes pouvoirs, ils sont forts. Et il me faudrait peut-être des cœurs quand même. Trois clés, j'y vais. Hein. C'est vrai que j'avais des clés, mais j'avais pas de sous. Putain, j'ai pas de sous, mais pourquoi j'y suis allée moi? Merde. Tu ne joues pas R6? Je l'ai acheté aujourd'hui R6. En parlant de ça.
Et oh, la clé dorée. Et du coup, je vais m'y mettre incessamment sous peu, oui. Putain, j'ai tout évité. Ouh. Eh, c'était du génie. Du génie, je vous jure. Oh, donnez-moi un cœur, putain. Mais qu'est-ce comment je fais, moi? Comment je m'en sors, là? C'est quoi le plan? Putain! Vas-y. Voilà des cœurs. Mais oui, clairement, je compte m'y mettre. Putain, je suis deg, non! À chaque fois que j'ai des bonnes parties, je fais de la merde. Vous vous rendez compte que j'ai pas fait la deuxième salle? Avant, je tuais. Enfin, je finissais le jeu, mais genre sans souci, quoi. C'est impressionnant. Hein. Bon, après, j'avais vraiment tryhard le jeu à une époque. Merde, la salle des pouvoirs. Je l'avais pas vue. Putain. Taste like burning. Ok. Ça m'a pas dit ce que ça faisait. Qu'est-ce que j'aime pas les pilules? À chaque fois, ça me donne de la merde. Mais je tirais pas dessus. Je dis non. Alors, que dites-vous dans le chat? Noob, toujours. Il y a trop de combinaisons dans le jeu, je comprends rien. Oh, il y a rien à comprendre dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Mais qui est bande de bâtards? Putain. Explosion Illyu. Ouais, bah y a intérêt. Putain, j'ai plus qu'un demi-cœur. Ah! Déjà. Vous vous rendez compte? Les explosions me heal. Donc ça me heal, c'est ça? Pourquoi ça me heal pas? Faut que je sois dedans, vous croyez? J'ai pas envie d'essayer, bizarrement. Je dis ça comme ça, hein, mais... Fais-toi exploser une bombe sur la gueule pour te heal. Je te crois pas. Franchement, si vous mentez... Oh, mais si ça marche! Trop bien. C'est un putain de... Tu peux avoir un putain de combo avec ça. Je pensais que vous foutiez grave de ma gueule. En mode, si elle le fait, elle est vraiment teubée. C'est trop fort, en fait. Surtout que j'ai cette bombe là. Cette non-confiance. Bah ma foi. Vous aimez trop vous foutre de moi aussi. Allez, c'est parti! Mais c'est en fait c'est vraiment trop fort ce truc. Enfin, je suis en train de penser avec le combo du truc vert là. Vous vous rendez compte ou pas? Comment tu deviens invincible après? Oh, la différence de vitesse à laquelle je bute par rapport à tout à l'heure. Le relou. Alors ça fait quoi plus un ulti? Hop, ok, pourquoi pas. Il y a mieux, mais bon. Il est flippant avec sa tête de vieux. Arrête, il est très mignon comme ça. J'avoue qu'il fait flipper un peu. Oh oui! Soigne-moi! Mais c'est trop bien! Regardez, je le counter totalement! Regardez ça, tiens! Tu crois que ça va me faire quelque chose? J'en ai rien à foutre! Oh là là, regardez tout ce soin. C'est incroyable ce qui se passe. En plus, j'ai une bombe à disposition. Là là là. Oh merde, pourquoi j'ai fait ça? Faut que je fasse ça en fait. Ah, c'est tellement un plaisir de rester dessus et de rien avoir.
Là là là. Oh, ça, je crois que c'est trop fort. Si c'est ça. Oh, c'est ça. C'est trop fort ce truc. Ça, mélangé à un truc qui augmente ta vitesse de ouf et tout. D'accord. C'est quoi cette salle? Putain, je pensais vraiment qu'il y avait la salle secrète ici. C'est le meilleur truc. J'aime trop. Ah, mais celle-là, on va aller loin dans la game. C'est moi qui vous le dis. Tu vois, t'avais peur du monsieur. Bah, on lui a caché sa tête. Les meilleurs objets, là, pour le coup. Ah, on est d'accord, hein. C'est beaucoup trop stylé, là. Full bombe. Ok. Est-ce que j'y vais? Non, j'ai que 4 pièces. Ça a rien. Quand le gameplay suit pas, go blind test. Go blind test? Ça va être trop facile cette game, je vous jure. Je vais tenter là. Ok. Ok, pourquoi pas. Tant pis. Non mais je vais être OP, hein. C'est pas possible qu'il gagne là. Allez, donnez-moi un truc pour booster mes tirs. Yeah! La culotte! Alors là, on a pas mal de cœurs. Bon, du coup. Tears up, tears up. Ah, c'est le même que tout à l'heure? Non, c'est pas le même. Allez, on prend ça. Magnifique! Un slip! Non, c'est une culotte! J'ai dormi 4 heures aujourd'hui, je dors combien par jour? Tu dors combien par jour, toi? Aujourd'hui, j'ai beaucoup trop dormi, mais sinon, je dors. Attends, bah, je me couche à 1 h du matin, en général. Et je me lève. Putain, mais il va vite, ce con! Mais laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps de faire des tears! Oh, nice! Et je me lève à 9h30. Donc, je dors 9h30, 8h, 8h30. Oh oui, sonne-moi! Bah non, c'est bon, en fait, j'ai pas besoin. Mais aujourd'hui, je me suis levée à 11h50, quoi. J'ai abusé de ouf. J'étais dégoûtée quand j'ai vu l'heure. Et tout le monde va te dire: oh, mais tu te plains en plus! Non, mais c'est vrai, j'étais dégoûtée, j'aime pas. Ton perso a casque VR, t'as vu ça? Ah, tu sais que c'est OP quand même, Ligaïe peut battre un boss sans prendre de dégâts. Ah, nice! Téléporté autour de Secret Room. Ah, bon, ok. Non, mais c'est vraiment trop OP, là. Oh, c'est quoi ça? Trop chiant. La 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 la. Il me faut vraiment des salles faciles, quand même, en ce moment. Merde. C'est toi qui as volé les heures de sommeil qui me manquent en fait. Ouais, c'est ça, hein. Non, mais j'ai abusé clairement. Pardon. Autant pour moi. Ils aiment trop faire plaisir en fait. Il n'y a pas eu d'ennemis dans ce truc. Du soin. Là j'ai 11 pièces, ça peut être pas mal. Je vais encore attendre un peu, je pense. Secret. Merde! Non! Ah, c'est pas grave. Secret. Mais non! Mais c'est où la Secret Room? Ah, c'est A. Putain. Ok, bah du coup, on peut peut-être y aller maintenant. J'ai 18 pièces. Ah bah tiens. On n'aime pas utiliser de clé.
J'ai 18 pièces, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça c'est bien ça. Mais en même temps, on le sait, ça coûte cher quand même. Oh, je vais rien prendre. Y a rien qui me donne envie et j'ai pas envie de switch. Le stream a résisté. Comment ça? Merde! Voilà, je regarde, je mets n'importe où. C'est Harry Potter qui ouvre Secret Room normalement. C'est vrai. Les aigles, c'est la meilleure musique du monde. Bon, ça va pas trop avec Isaac, mais bon. C'est pas grave. On s'en contentera. Là, là, là. Ah, je l'aime bien ce boss, il est marrant. Il a vraiment une sale gueule, quand même. Oh, merde. Oh, putain, j'ai eu chaud. Non, je pensais que ça passait. Tristesse et désespoir. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie que j'ai que 2 cœurs, moi. Tiens, shop, speed up. Ouais, regardez la vitesse. Wouhou! Trop bien. La prochaine extension qui arrivera sûrement en décembre. En décembre. Prochaine extension de quoi? Qu'est-ce qu'on préfère? Bon, il était bien en noir. Ah, je l'aime bien comme ça. Pas content. C'est con ça. Ah, nice, ça les touche ici. Ouh, j'ai chaud. Y'a même pas de fight. Trop facile ce jeu. Pourquoi t'es noir maintenant? Je suis pas noir, je suis un démon. Enfin oui, je suis noir. C'est trop stylé, non? Vous êtes jaloux, c'est tout. Téléport you to the secret room. Ouais, encore. Trop bien. Même pas besoin de la chercher. Putain, c'est chaud. Elle était dure, celle-là, à éviter tous les trucs. Et j'ai plus beaucoup de cœur, hein. N'empêche. Oh putain, il court vite. Waouh, trop relou. Trop relou cette pièce. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que ça fait aussi mal si je fais ça? Je crois que ça fait aussi mal. Trop bien. Là, je voulais parler de la prochaine et dernière extension de Binding of Isaac. Oh, trop bien, il va y avoir une nouvelle extension. Non, c'est pas possible, sérieux? Trop trop cool. C'est vraiment un génie le mec qui l'a fait ce jeu. Il a géré de ouf. Je sais pas comment il s'est fait... Bah, putain, je savais qu'il allait faire ça en plus. Je sais pas comment il a fait connaître son jeu. Ok, on va peut-être se heal quand même. Oh non! Oh, je m'en fous, j'utilise une bombe. Speed up! Oh, putain, je vais avoir du speed. Hein. Salut, colonel Moutarde! Je voulais. Ah oui, ça j'ai lu. Je peux pas répondre à tout le monde, trop de notifs. C'est même pas mon chat. Putain, c'est chaud! Ah, mais en plus, c'est la salle que je voulais pas aller, ça! Je veux absolument pas. Oh merde. Je veux absolument pas aller dans cette salle.
J'ai pas assez de vie pour ça. Attends. Je vais aller prendre le cœur qui est ici parce que j'ai peur. Vu que je suis pas très forte, hein. Ah, lui, il explose. Mais genre, ça l'a pas tué! Ma foi. Salut, Dister Machesse. Ça va très bien et toi? Oh merde. Ok. Oh, je peux tenter quand même. J'aime bien le faire exploser lui, mais. Un cœur. Ouais, bon. Ok. Le jeu s'est fait connaître par... car le créateur avait fait Super Meat Boy. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai pas regardé, merde. Cool. Bon allez, je fais péter. Non! Voilà. Ouais, c'est vrai que Super Meat Boy avait fait un buzz aussi. Ouais, il est vraiment bon ce mec, hein. Non, pas ça! Fallait pas l'utiliser, putain. En même temps, cette salle était un peu chaude.